Mais on a toujours une relation très très étroite avec l'Inde. Et en général, quand on a ce banque à Téban, nous avons une négociation qui nous fait directement le Premier ministre et un lien, nous, je connais, privilégié avec le Premier ministre indien pour se débloquer la situation. Donc là aussi, nous pouvons guetter un coup qui peut passer. En tout cas, à notre connaissance, jusqu'à présent, nous n'avons aucun shortage. Hein, nous pouvons continuer un bon approvisionnement concernant le riz, mais nous continuons à faire le nécessaire pour qu'il n'y ait aucun shortage concernant les produits de première nécessité.